Bonjour. J'ai posté sur YouTube un premier monologue ou première partie de roman, adaptation en pièce de théâtre, qui s'appelle Corps fatal. J'ai commencé à rédiger sur mon Facebook la deuxième partie que j'appelle mon bocal. Et je n'en suis qu'au début. Mais je me suis dit que c'était peut-être intéressant de voir comment la lecture de cette histoire pouvait interagir, si des personnes ont envie d'interagir avec cette vidéo. La fin de Corps fatal, je peux peut-être la rappeler, la lire. Qu'est-ce que ce corps fatal? Qu'est-ce que ce corps fatal au bout du compte? Il n'y a rien d'autre. Ou plutôt, ce qui le dépasse, le transcende, le fait s'échapper des quatre murs, disparaît avec lui. J'ai couru en posant mon corps immobile dans un lieu d'aisance où je pouvais courir sans courir. Que mes doigts tiennent le stylo, qu'il tape sur un clavier, importe-t-il, ma tête écrit. Je pourrais aussi bien cligner d'un œil ou tenir un bâton par ma bouche. Je suis dans un lieu d'aisance. Je suis dans un lieu d'aisance parce que je peux penser. Échanger même, penser le temps et le lieu où j'étais deux. C'est le corps primal, être deux. Ce que la matrice ne parvient pas à faire. Avec elle, c'est zéro ou un ou zéro, mais c'est jamais deux. Tu me lis? Oui? Et ton deux? Si je me fais tuer alors que tu me lis, mourras-tu? Pour être deux, il faudrait bien que ton corps fatal retrouve le mien. Même si tu ne lis seulement. Même si tu me lis seulement. Même si seulement tu ne fais que me lire, ma mort ne sera pour toi que virtuelle. Virtuelle. Si on devait annoncer que je vais mourir alors que le temps semblait long encore, que dirais-tu? Le corps fatal est terrible. Les animaux nous apprennent ce qu'il faut faire face à la folie humaine, devant la mort, en faisant souffrir le moins possible ceux qui ne le sont pas encore. Et la suite, c'est mon bocal. Elle revenait de la foire. Un sac plastique à la main. Il était rouge, banal. Elle s'était laissée mettre ce sac à poisson entre les mains. Pourquoi? C'est parfois difficile de dire non. Dire non, pas au poisson. Non, le pauvre. Bulle, il s'appelle. Il fait des bulles magnifiques, paraît-il. Non, dire non à celui qui donne cette chose vivante comme si c'était une chose inerte, et en même temps qui force à se dire, si je ne le prends pas, qui s'en chargera? Voilà, j'ai charge d'âme, une âme de poisson, un 1er avril, et en plus, il s'appelle Bulle. Si j'en écrivais quelque chose au pape, il y aurait un poisson rouge dans un bocal qui parle, raconte sa vie et celle de ses locataires, c'est connu. Il y aurait la haine n'y suffirait pas, je tourne en rond, je fais des ronds dans l'eau quand je chante, pourquoi me suis-je attaché à eux? C'est drôle les circonvolutions que prend le cerveau humain, et demain je saute. Sans oublier, c'est la sortie d'Égypte et la manne miraculeuse. Il a une spécificité, le poisson du bocal, il écoute en boucle les chansons des idoles. Il n'a pas décidé entre amour et liberté.
Il n'aurait qu'un seul ami, enfin une amie, une seule amie, le chat, enfin la chatte de la maison. Comment il s'appelle? Oh, ils n'ont pas été très originaux. Lui, c'est Bulle, et elle, c'est Olé, parce qu'elle miaule un peu à l'espagnol. Voilà, tout ce qui se pense un 1er avril se réalise. Pour savoir ça. Pour le motiver, j'ai posé auprès de l'aquarium quelques feuilles de papier, un crayon à mine et un livre, La légende des siècles, Victor Hugo. Et puis la chatte s'entend très bien avec lui. Enfin, il paraît qu'il faut dire lui, mais je ne sais pas comment le forain peut savoir. Mais c'est à présent l'histoire racontée par un poisson, Bulle, et une chatte, Olé. C'est une histoire qui commence et qui en continue une autre. Où finira-t-elle? Je prends possession des lieux. Tu as coûté cher. Poisson doit être mort, se dit la chatte. Cela fait 3 fois que je lui pose la même question. Il ne répond pas. Faut dire. Quitter son sac plastique pour un aquarium 3 étoiles, 3 étoiles, bien, bien rectangulaire, oxygéné, saupoudré, décoré comme un sapin de Noël, avec même un poisson nettoyeur. Je repose ma question et je vais regarder par-dessus pour voir ce qui se passe. Olé, c'est le nom de la chatte. Pose ses 2 pattes de devant délicatement sur le rebord de la fenêtre, monte dessus et regarde l'intérieur du bocal. As-tu coûté cher le poisson? Demande-t-elle un peu plus fort que les 3 fois précédentes. Un poisson, rouge, sort de son algue protectrice, enfin quelque chose qui ressemble à une algue marine, et regarde cette étrange tête jaune au-dessus de l'eau comme un mirage, avec un bruit. Il se rapproche de la surface de l'eau lentement, mais sans crainte. Il entend cette fois plus distinctement la question posée. Cher, dit-il en sortant la tête de l'eau. Je ne sais pas ce que cela veut dire, cher, je suis un cadeau. Un cadeau? Comprends la chatte. Eh bien, tu n'as pas de prix, ou alors tu ne vaux pas grand-chose. Moi, je suis une chatte lointaine, chère, à la peau douce et à la fourrure épaisse, je coûte beaucoup d'argent. Méfie-toi de ton absence de prix, méfie-toi. Méfie-toi que ton absence de prix ne te coûte de finir dans les cabinets. Elle tourne le dos, descend du rebord de la fenêtre et tourne le dos au poisson. Poisson qui n'est pas né de la dernière pluie, se dit jalouse, jalouse la chatte. C'est la première nuit dans le bocal. Il ne se souvient pas bien comment c'était avant. Pas facile, non, ça n'a pas été facile. Étrange, le poisson nettoyeur. Il s'est planté devant moi à son arrivée et m'a dit, ici, tout est propre. Et si tu jettes quelque chose par terre, je te détruis. Je m'attendais à voir John Wayne dégainer son pistolet. Ma remarque ne l'a pas fait rire. Il ne doit pas regarder les rediffusions à la télé. C'est pas Woody Allen non plus. Plutôt une voix de fossé, un rythme obsessionnel. Heureusement, le locataire adore les années soul et la variété française. J'échappe à l'obsessionnel en arpentant mon aquarium au rythme du train. Réveil d'enfer. Ah, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Ma tête jaune m'observe. Hop, un coup de rein, j'arrive. Viens, je t'emporte avec le bocal. Viens, Bulle, suis-moi. Je suis Olé, la chatte qui vient d'Abyssinie et qui lit le bateau ivre. Viens, tu seras mon poisson volant, mon poisson hollandais, mon navire qui appareille pour ne plus réapparaître avant des années, ma mythologie privée. Mais où veux-tu m'amener, Olé? Mais tu ne te rends pas compte, Bulle. De quoi, Olé? Il a un chien. Qui? Cet homme qui vient l'avoir, un chien d'archipel? Il aime peut-être les chats des marais. Repose-moi, réfléchissons. Oui, Bulle. Tu sais, c'est un chien. Tu es une chatte, certes. Et vous vous ressemblez. Ce n'est pas une âme sombre, le Shiba. Tu es un abyssin des marais. Il est un Shiba des broussailles.
Et moi, je ne suis qu'un banal poisson rouge qui fait des bulles. Je n'ai même pas la langue bleue. Tu sais, elle ne cuisine plus. Avec sa fenêtre ouverte sur le puits de jour de l'immeuble, elle a fait venir quelqu'un cette nuit. Il a un chien. Quelle musique a-t-elle posée sur le tourne-disque? C'est le trio in E flat majeur, opus 100, Bull, Franz Schubert. Je te comprends, Olé. Ta journée est dernière renoue. Elle a lu hier. Non, elle a relu ce qu'elle avait écrit. Bull a visité son bocal toute la journée. Olé est resté le dos arrondi contre le mur, désemparé. Ils sont fatigués ce matin. Il n'a pas voulu faire un état des lieux. Elle ne veut pas respirer sa jambe tant qu'elle ne lui a pas présenté le Shiba de manière officielle et avec le rang qui lui revient, s'il revient. Bull et Olé traversent un peu de blues aujourd'hui. De la soul au blues, du blues à la soul. C'est le rythme vital, un jour après l'autre. Ils ont besoin de rêver, peut-être, pour échapper aux risques qui courent les rues. Être mal de vivre, non. Bull ne lira pas une page de Zarathoustra. Aujourd'hui. Et Olé ne dira pas le bateau ivre. Aujourd'hui, non. Ils vont rêver. Et éviter les coins des murs, avec peut-être un fond sonore, comme un cœur, une ode, un cœur. Tu sais, Bull, elle écrit. Elle fait la cuisine et elle écrit. Elle est fan aussi. J'ai accompagné tous ses états artistiques parce que moi, c'est d'elle que je suis fan. Je suis une chatte d'Abyssinie. J'aime l'art. Pas seulement la sculpture, les pyramides. Elle a regardé un film hier soir avec un fossoyeur. C'était effrayant, terrifiant. Il est comme ça, le poisson du bocal. Vis-tu dans une grande baignoire? J'ai peur pour toi, Bulle. Respires-tu ce matin? Fais-tu des bulles? Bulle! Oui, Olé, j'arrive. Par le plafond de verre, Olé. Voudrais-tu m'apprendre à en sortir, à marcher dessus? Le fossoyeur est un psychopathe. Je me suis enroulé dans une algue, caché pour la nuit de peur qu'il ne me liquide dans le liquide. C'est un obsessionnel qui avale et recrache toute la journée des saletés. Et quand il n'y en a pas, il en crée la nuit. Je suis là, Bulle. Je vais réfléchir à une manière de rester en contact et que tu m'appelles au secours si besoin était. Je ne te laisserai jamais tomber, Bulle. Tu es ma plus belle rencontre, après elle. Dis-moi, Olé, elle a rencontré son grand acteur? Je ne sais pas, il faisait nuit. Je n'ai aperçu que le Shiba, je me suis caché en haut de la bonnetière à chapeau de gendarme. Quelle est cette musique? Connais-tu la musique de l'âme? C'est celle-là, l'entends-tu? C'est le chant des baleines. Le chant des baleines. C'est beau. C'est beau, Bulle. Je vais ouvrir la page de son ordinateur sur la page de ses chants. Peut-être pensera-t-elle à nous en livrer un peu chaque soir ou chaque matin. Un peu chaque matin. Notre chant des baleines à nous. La chatte et le poisson. Bonjour, Bulle. Ouf, quelle nuit. Bonjour, Olé. Que t'arrive-t-il, Bulle? C'est le psychopathe. Toute la nuit, il grogne, il avale, il crache. J'ai pu sauver mon algue de justesse. C'est un terrible destin que le sien, Bulle. C'est un terrible voisin, oui. Bon. Je vais murmurer à celle à qui tu loues d'acheter un bocal de nuit pour le nettoyeur. Elle a fait la cuisine ce matin, tout en parlant avec son psychanalyste. Elle rêve encore au mur, au week-end de soleil.
C'est bientôt la saison des lilas. Bulle se détend un peu à la surface de l'eau. Le rayon d'un soleil pauvre rase l'onde. Je t'aime de plus en plus, soleil. Plus je te vois le matin, et plus tu me manquerais si je ne te voyais plus. Nous avons tout le temps de nous apprivoiser, tout le temps. Cette journée est à nous. Elle est partie pour la journée. Veux-tu que je te lise ce qu'elle écrit? À bientôt.